Bonjour internautatrices et internautateurs, ici Galden pour les jeux du Cygne. On retrouve notre colonie sur Rimworld Anomaly, découverte du DLC. On a réussi à vaincre l'obscurité. On arrive à avancer. On s'est fait un joli frigo. On essaye de gérer les choses comme on peut. On est carrément short en nourriture. Ah, j'ai du riz qui arrive là. Mais ça va totalement pas être suffisant. Ceci dit, j'ai beaucoup trop de psychoïdes en fait. Je vais supprimer 8,4%. Ouais. Je vais supprimer toute la partie haute. Et je vais faire plus de 21, 21, 5,6. Hop. Donc, on va couper là. 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 Ça sera plus rapide comme ça. Tac. Tac. Voilà, cette zone-là, du coup, on va supprimer cette partie-là. Voilà. Et on va étendre notre zone de riz parce que il y en a gravement besoin. Je crains d'être un peu court sur ma quantité. Sur ma production de nourriture. Parce que j'ai quand même une population qui est assez importante maintenant. Du coup, je repars à la chasse. Hello, Nardinus. Toujours plus de patates. Ben non, je fais pas de patates là. Comment vas-tu? Caneton, t'es là, t'attends. T'attends comme une âme en peine que tu es. Où est-ce qu'ils sont les casoirs? Là j'en ai 3. Tac. Attends, est-ce que là j'en ai 1. C'est pas mal ce système. Là j'en ai un autre. Hop. Caneton, ah, tu me diras, t'as pas faim là. Ah oui, il y en a même un encore plus proche. Bah, je vais envoyer Caneton chassé. Donc ça à foutre. Ça fait longtemps Rimworld. Ah bah oui, ça. Bah, et puis, moi, des mods, j'en mets quand même pas mal. Parce que je trouve que pour tout ce qui est qualité de vie, c'est quand même vraiment indispensable. Mais ouais, et puis bon, là en plus il y a quand même un nouveau DLC, donc avec beaucoup beaucoup de nouveautés dedans, et voilà quoi. Ah oui, attends, je réfléchissais à la possibilité, c'était quoi? Ah oui, c'était ça. Ça on va le faire. Je vais prendre l'arbalète neurotoxique, merveille. C'était ça que je voulais faire en m'arrêtant hier. Hop. Toi, on va t'autoriser. Alors, t'es très loin. Ce qui est pas terrible, mais t'es... Alors, on va imaginer, en général, qu'ils arrivent par là. Il faut que je m'équipe d'armes, parce que j'en ai plein qui ont pas d'armes, en fait. Tu vas aller m'équiper d'un arc court, même s'il est médiocre. Hurlefort, tu vas aller choper. Le bon couteau en acier. Hop. Dez.
Dez, il est nul ton couteau. Hop. T'as mieux. Tac. Qu'est-ce que tu dis perso, mes dernières games? J'essayais désespérément de survivre dans un biome désert chaud en plantant des arbres pour avoir du bois. Il n'y avait rien à faire. Cela pour contrer la chaleur. Bah si, il y a des choses à faire, mais. Il est quoi 6 heures du mat, 6 demain se réveiller. Quand on a besoin de soins. Ah oui. Hop. Non, Dez, je t'ai demandé d'aller changer de couteau et toi tu vas chercher. Non, n'importe quoi. Bon, il va falloir le lever tout le monde parce que. Hop, allez. L'attaque devrait pas tarder à avoir lieu. Le temps de se rendre sur les lieux. Tac, il me faut surtout Canton. Hop. Là, il est possible que j'ai un raid un peu conséquent. 5 heures. Allez, on va avancer. Voilà. Alors, ils arrivent par le sud. Qu'est-ce que tu. Oh, c'est tout. T'en as 4 humains, c'est tout? Oui, bon, ça va. Comment ça se fait qu'ils soient aussi peu agressifs? Coucou, Minou. Merci. Ce fut bref mais intense. Qu'est-ce qu'ils ont comme arme? Comme arme? Des arcs. Très bien. Tac, tac. Et vous allez vous planquer. On les chopera. Voilà. Tac. Normalement, ils vont se faire défoncer la chaudron. Hop. Tac. 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 Le dernier est là. Ah, oh, saleté. Là, il y en a déjà un qui HS. Et le dernier, on va dessus. Voilà. Qu'est-ce que tu vaux, toi? Est-ce que tu vaux le coup d'être recruté? Artiste, intello. Ah, mais c'est immunité psychique, c'est pas terrible, l'immunité psychique sur le. En tant que ritualiste. En plus, qui fait pas de travaux ménagers. Toi, tu vas. À la limite, je vais peut-être faire une exécution. Ça donne un peu de mood à tout le monde. Une petite exécution publique. Ça fait jamais de mal. Je vais te capturer. Hop. Et je vais te capturer. Tac, tac, tac. T'en vas pas trop loin, gamin. Bah, Dez, tu vas nous le capturer, s'il te plaît. Tac. En plus, il y a loyauté inébranlable, donc de toute façon, ça sert à rien que j'en fasse quoi que ce soit. Hop, ça, c'est pas la peine que je fasse du transport rapide. Voilà. Tac. Autorisé. Il va s'échapper, c'est pas bien grave. Hop, allez, on peut dire à tout le monde de se rentrer. Ça me fait un peu de pemmican, c'est pas mal aussi. Bon. Pendant ce temps, prisonnier libre, je sais. Alors, surtout, tu vas pas m'utiliser. Non, c'est pas aucun soutien médical, c'est sans médicaments. Hop.
Tu vas le soigner juste pour faire en sorte qu'il survive. Hop. Maladie grave sur lui. Comme ça, je m'entraîne. La navette est arrivée. Tac, ils rentrent tous dedans. Et ça pourrait être démantelé si j'ai besoin de composants ou de métal. Très bien. Et logiquement, les capsules sont arrivées, donc je vais retrouver, voilà, une merveille. Et ça, c'est cool. Ça va être pour Miss Chobiti. Ouais, ça va être pour Miss Chobiti. Quand elle aura chassé Alpaga. Hop, bon, c'est bon. Il va survivre, mais pas longtemps. Je vais faire une petite exécution pour donner un peu de mood à tout le monde. Hop. Hop. Alors, ça va pas être Gléag qu'on va exécuter. Ah, zut, il est blessé. Alors, il faudrait que Dez puisse se soigner, merci. Bon, peut-être que les médicaments juste pour ça, c'était un peu beaucoup, mais. Bien, allez. Donc, une petite exécution publique de Monsieur Hovon. Ça veut dire quoi qu'il est abattu? Attends, hurle fort s'il te plaît. Tu vas me terminer ça. Non, 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 tu vas pas nourrir quelqu'un qu'on va tuer, s'il te plaît. Rien. Économisons de la bouffe. Ah, c'est qu'il est inconscient. Parce qu'il faut qu'il soit conscient quand on. Bien. Alors, ils font la teuf. Très bien. Hop, du coup. Alors, Lady, tu vas aller chercher ça quand tu auras fini. Et toi, avec ton pistolet médiocre, ce sera toujours mieux que un arc court pas terrible. Non, toujours pas. Et du coup, toi, tu vas aller chercher un bon arc court plutôt qu'un arc court médiocre. Bien. Ok, on recommence à être bon en termes de bouffe. Alors par contre, ce que je pourrais faire. Sais pas pourquoi j'y arrive pas. Je ne sais pas. Grondement de la fosse, adulte. C'est vrai qu'il faudrait que je m'occupe de cette fosse. Le sol tremble sous vos pieds et les hurlements inhumains résonnant dans la fosse semblent se rapprocher. Quelque chose va bientôt en sortir.
Ouais. Oh, mais il y a plein de cadavres à bouffer. Émergence d'une abomination de la chair. 462. Ça commence à être déjà un peu plus élevé. Alors, on va falloir que je fasse un peu gaffe. Planning. Tout le monde va rester dans la maison, s'il vous plaît. Conversion. Très bien. Glaag est converti, donc maintenant on le recrute. Bon, ceci dit, ça va fighter les gens. J'ai quoi? J'ai trois abominations robustes aux pointes. Un tripointe. Et un digipointe. Non, j'ai deux digipointes et deux tripointes. Toi, je sais pas où tu vas, mais tu y vas à coup sûr. Bon, on se réveille les gens là? Sinon c'est moi qui vais vous lever, hein. Allez, debout tout le monde. Tac. Tac. Hop, hop, hop. Là. Toi, t'es allé chercher ton... Ça, c'est quoi? C'est médiocre, oui. Donc, il faut le ranger. Hop, hop. Et voilà. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu vas t'attaquer à mon mur. T'as que ça à foutre. Faut croire. Toi aussi, tu t'attaques au mur. Bim. Ah ouais, les saloperies. Ça attaque par derrière du coup. Avant que tu me défonces mon mur, s'il te plaît. Même chose, sur le fort et hop, avant qu'il me pète mon mur. Et il en reste un là. Non, deux. Hop. À la limite, je vais laisser ouvert le temps qui passe. Tac. Voilà. Bon, le dernier, tu vas le finir à la main. Hop. Je voudrais, s'il te plaît, que tu me l'attaques. Merci. Et vous? Vous pouvez disposer. Ils sont tous morts. Bon, bah tant pis. Oh la vache, saleté. Tout ça pour faire demi-tour ensuite, quoi. Saloperie. Donc, je peux remettre non restreint. Tiens, tac, tac. Voilà. Allez. Bon, pas de capture cette fois-ci. Ah bah si, mais pff, franchement, de toute façon, ma salle est pas super bien calibrée pour faire ce que je veux faire. Ça, il faudrait que je le mette ailleurs en fait. Et il faut vraiment qu'il n'y ait rien d'autre autour. Ce qui n'est pas absolument évident quand même. Bien, est-ce que je peux faire mon exécution publique ou toujours pas? Non. Ok. Un problème réglé. Est-ce que j'ai du bois? Oui.
Bon, toi, je vais te mettre là avec le copain. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être que je nourrisse quand même. Oui. Bien. Ça, il faut que je referme. Caneton, hop. Hop là. Qu'est-ce que tu fais? Jusqu'à zone de stockage. Je m'en fous un peu en fait. Les entités, je m'en cogne, en fait. On oublie. Parce que les entités, je vais pas les découper, donc détail. Ouais, entités, je les découpe pas. C'est pas, bah si en fait c'est comestible mais pas vraiment. C'est-à-dire que c'est ça se ça donne de la chair d'une chair qui est pas bonne en fait. Ça donne non c'est pas indiqué ici c'est de la chair je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà en gros c'est pas vraiment comestible. Ok, bon, ma cuisine, c'est bon. Oh merde, il fait chaud. Bah écoute. Bon, crise de colère, ça va encore. C'est ça. Bon, totalement guéri, ok, très bien. Bon, je devais... ça me saoule. Je sais pas ce que ça veut dire abattu. Douleur exceptionnelle. Hop. Bizarre parce qu'il y a un niveau de conscience qui me semble quand même... Les médicaments se font rares. Bah ouais, ça m'étonne pas que tu me dises que les médicaments se font rares. Oui, ça, on avait dit qu'on pouvait pas en faire. Ok, donc là, je commence à me faire un peu des vêtements, c'est cool. Parce que c'était peut-être pas génial. Ok, la recherche avance. Bon, en vrai, je suis... Là, je suis plutôt bien là. En dehors de lui, je sais pas pourquoi t'es... D'ailleurs, t'as autant les boules. Je sais pas. Alors là, t'es en catharsis, mais...
Alors, le panneau solaire, c'est très bien. Bon, on va aller chercher la microélectronique quand même. Hop. Dans les productions, je peux aller chercher le truc de forgeron. Ah non, je l'ai déjà. Non, c'est le truc de production. C'est l'atelier d'assemblage. C'est absolument horriblement configuré mon truc. Il n'y a pas une option de type de détention sur les prisonniers du genre, peut être recruté oui ou non, peut être exécuté oui ou non. Non, il y a, bah, y a juste là strict minimum. Je peux l'exécuter cash, mais là l'idée c'était de faire une exécution publique. Donc c'était pour avoir un truc un peu classe, mais je sais pas pourquoi. Je pense qu'il faut que j'attende qu'ils se remettent un peu plus. Sous le choc d'une douleur exceptionnelle, je ne sais pas ce que c'est. Donc maintenant que j'ai un peu de tissu, du coup je peux modifier sur la tenue vestimentaire. Je ne veux pas que vous me portiez de médiocre, s'il vous plaît, merci. Parce que je pourrais quand même remplacer mes pioupiou de merde par des vrais fusils. Et ça, c'est quand même pas tout à fait n'importe quoi. Donc ça, déjà, je le fais en boucle sur tous mes canoïdes qui se présentent. Et là, je voudrais en avoir toujours une au moins de bonne qualité. Donc, tac. Ok, je peux aussi remplacer mes murs en bois. C'est jamais très confortable les murs en bois. Chef-d'œuvre. Qu'est-ce que tu as fait comme chef-d'œuvre? Une cape en cuir de dromadaire. Waouh! Eh ben, ça va être pour Richuk. Voilà, très bien. T'as compris? Non, t'as pas compris ce qui était pour toi. Si, voilà. Très bien. Ton habit de comment ça s'appelle déjà? D'emplumé. Voilà, ça devrait aller mieux au niveau moral. Environnement de type simiesque. Bon, nickel. Ouais, alors j'ai plus. Oh la vache. J'ai pas du tout d'herbe médicinale en stock. C'est le drame. Est-ce que j'en ai. Est-ce que ça se trouve? Herbe. Mais dit si médic. Waouh, ah ouais, c'est vraiment la loose. J'ai plus du tout de médoc. Ouais, le truc, c'est qu'en plus avec leur maladie, eux. Bon, en vrai, ça va, hein. En termes d'immunité, ils sont tranquilles. Quoique, le signe, c'est pas génial. Hein. J'ai que 10% d'avance. Bon, normalement, 10%, c'est large, hein, mais. Bon, ok. Donc, déjà, j'ai mes extérieurs qui sont toutes en grès. Alors, comment je vais m'organiser? Pour la suite. Comment que je vais faire? Parce que là, en termes de capacité de confinement, c'est quand même 141, c'est très très large.
Rien que les peu moyens de la porte, c'est tellement important. Douleur extrême encore, mais comment ça se fait qu'il est autant quoi? Alors, j'ai du monde qui est inactif, ça c'est une très mauvaise chose. Ne jamais avoir de colon inactif, c'est un principe de base. Bioferrite. N'ai pas beaucoup l'utilité. Ah, les packs de fusées disruptives. Ça pourrait servir. Je vais peut-être essayer de faire en sorte d'en avoir toujours au moins un. Aussi. Il n'y a pas de question de qualité. Hop. Est-ce que j'ai des quêtes qui peuvent être faites? Enquête active, relique du cygne, je peux pas en faire grand-chose. Là, je pourrais choper du bois. Cuir de rhinocéros. Ouais, 44 cuir, c'est pas ouf. Là, c'est quoi, les 37 d'or? Oh. À la limite, je vais aller. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ceci dit, c'est vraiment pas loin. Ouais, une caravane, 0,8 jours. Allez. C'est pas la peine d'envoyer toute la tribu. Je vais envoyer tac tac. Hop. Je vais envoyer Dez. Voilà. Est-ce que Canton a mangé? Est-ce que Canton a bien mangé avant de lancer ma. Oui, c'est bon. Canton est repu. Donc, allez, go là. Tac. Donc, on envoie Canton. On envoie donc Lewin. Hop. Ouais, même Chobiti. Et Backfield. Voilà. Rien de très intéressant à envoyer. Ah, carrément, ils prennent toute la bouffe, quoi. Bon, les autres ils vont chasser. Hein. Il faut que j'aille chasser. De toute façon, j'ai plus de stock de bouffe. Je peux aller chasser le boumalope. C'est un peu loin. Ils sont un peu moins loin, les boumalopes. Vous allez me chasser tout ce qu'il y a à chasser. Hop. Peut-être pas le cobra. Allez. Ça va être le boulot des autres. Ok. Machine du village. Ah, ça c'est des informations sur la relique. J'espère que j'ai quand même laissé des chasseurs dignes de ce nom. Hurlefort, il n'a pas d'arme de l'up.
l'a dit, je peux aussi la mettre à la chasse. Parce que là, j'ai quand même vraiment plus rien à bouffer. Toi, t'as des stats de tir de ouf. Donc, tu vas même t'équiper d'un arc court médiocre. Et tu vas aussi aller chasser. Ah non, ça plaît pas à son île. Ouais, bah, j'ai déjà suffisamment de problèmes de morale avec lui. Ok, très bien. Première tortue. Ouais, ça fait pas beaucoup. Ah tiens, j'ai des... Fallait ramasser des baies. Hop. Il va mettre du temps à arriver. Pour dire que j'étais juste à côté. Alors, qu'est-ce que j'ai sur place? Oh, ça devrait pas être trop dur. Le caneton, il pourrait presque se laisser loter, je pense. Stun. Donc ça, j'autorise. Tout autorisé. Non, c'est juste autorisé qu'il faut que je fasse. Tac. Cancel. Voilà. Donc, tac. Ça, on revendique ça aussi. Là, j'ai mon or. Et là, j'ai lit en marbre. Bon, j'ai rien de très intéressant à récupérer. Donc, on repart. Monde. Hop. Reformer la caravane. C'est reparti. Mon kiki. Tu récupères le smoke leaf. Granit ardoise, j'en ai pas à la maison, donc c'est pas la peine. Les vêtements, j'en veux pas. Par contre, l'or, j'étais venu pour ça. Hop, je récupère le pemmican. Moi aussi, je vais les récupérer pour... Oh non, c'est trop lourd. Ce sera pour nourrir... pour nourrir Canton. Hop. Bon bah si j'avais su j'aurais pas fait une exécution publique hein, pour lui parce que franchement je suis un peu deg. Où est-ce qu'elle est ma...
J'avais une étagère ici avec mes plats. J'ai pas compris. Bon. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Est-ce qu'il me reste du bois d'ailleurs? Plus des masses. Est-ce que le riz revient? Oui, mur à 90%. Ordre, couper du bois. Hop. Ah, n'est plus incapable de marcher. On va pouvoir l'exécuter proprement, peut-être. Bah voilà, c'est ça. Donc, je vais attendre que les autres soient revenus. Et Chobiti va pouvoir l'accuser en bonne et due forme de tous les crimes affreux qu'il a commis. Bon, j'ai plus de médicaments en stock, ça potentiellement c'est vraiment dangereux. Et c'est pas avec les quelques-uns que j'ai ici que ça va changer grand-chose. C'est pas la peine que je dépense de l'électricité pour des trucs qui sont pas utiles. En parlant d'électricité, je pourrais me faire un panneau solaire. Je vais pouvoir faire ça, genre. Ça nécessite de creuser un peu, mais. Tant que je détruis pas de. Hop. Tac, voilà. Et énergie qu'on est craché. Hop, et tout le monde est de retour. Caneton. Ah oui, ça c'est le cobra. Caneton, tu vas s'il te plaît me chasser ça. Bien. C'est vraiment le bordel ici. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? On transporte ça de toute urgence, s'il vous plaît, merci. Un cadavre dans la chambre. Non, mais je vous jure. Qui veut pas Chobiti. Alors, tiens, il est temps de faire. Il ne participera pas. Pourquoi donc? Température extrême. Quelle température fait-il? 39 degrés? Ah oui, c'est un peu chaud. Là, il fait combien? Il fait 30. Là, il fait 16 degrés ici. Oh, mais quel con. Je pensais que j'avais réglé les deux à moins 19. Quel abruti.
Ouais, en fait, il fait vraiment chaud partout là. Hop, on va mettre des refroidisseurs un peu partout. En deux spi. Voilà, là ça devrait être mieux. Hop, voilà. C'est mieux quand même. Hop. Très bien. Ça me fait qualité totale. Plus 8 d'humeur pendant 6 jours. Très bien. Bon bah maintenant on soigne sans médicaments. Alors non, ça c'était tout effacé, critique, juste les plats. Ici. Ah oui, je voulais me faire. J'ai vu que les bibliothèques donnaient un bonus de mood. Je vais faire une bibliothèque en calcaire, par exemple. Et même ça fait un bonus de recherche quand c'est à proximité des tables de recherche. Alors non, je vais pas mettre là, je vais mettre bibliothèque en calcaire là, histoire de garder un passage libre. Bon, je suis bitty, en même temps, il faudrait faire un effort là. À choisir, je préférerais que tu ne me pètes pas un câble. Est-ce que lui, ça impacte son mood? Bon. Donc ceci dit, ça, c'est pas terrible pour le pour la plaitagère, s'il te plaît, dupliquer. Parce que pour la beauté de la pièce, avoir autant de trucs par terre, c'est pas terrible. Copier, hop, coller. Sélectionner, tac, 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 tac. Paramètres, il est. Ok. Un lynx adorable. Elle voudrait que vous preniez soin de deux lynx pendant 14 jours. Attendez, oh, j'aime pas les trucs attendez d'abrasie. 3 raids en plus. Bon, non. C'est pas mal, hein, les. Bon, les. Les récompenses sont plutôt sympathiques, mais. Lui, il faudrait peut-être le virer, non? Histoire d'éviter que tout le monde se prenne des debuffs. C'est Tandax la bouffe quand même. Non, c'est bon. Hop. Prêt à récolter. Allez. Go. C'est bon, ça va le faire. Je vais arriver à faire mes plats. Attends, tu vas, s'il te plaît, terminer ça. Terminer ça aussi, s'il te plaît. Une bonne carabine, ça sera pas de refus.
Excellente carabine, parfait. Où est-ce que tu l'as posée? Ah, ici, oui, c'est totalement logique, ça. J'ai modifié les paramètres ici, mon Dieu. Aliments crus. Et... Ressources brutes, matière végétale, critique. Donc, excellente. Elle est quoi? Elle est juste normale. Elle était à 14,47. Quand tu auras fini de chasser, tu iras me chercher ça. Psychotique. Hop, allez, j'aimerais bien que tout ça soit rangé rapidement, s'il vous plaît, merci. Là, je suis en priorité haute et là, je suis en priorité normale. Donc, pourquoi est-ce qu'il commence par me le mettre? Voilà. Est-ce que j'ai encore du bois? Pas sûr. Si, j'ai plein de bois. Bon, la crise de la faim s'est passée temporairement, en tout cas. Là, j'ai une carabine normale. Là, ça va être pour le signe. Transformation en ghoul. Je vais pouvoir... Ah, j'aurais pu garder mon... Et je vais pouvoir désormais améliorer. Quand j'aurai terminé... Plus important que je puisse améliorer mes goules, ma goule pour l'instant. Sculpture, yep. Allez, attraction d'animaux, on va essayer de faire du rituel, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et j'ai un rituel qui peut être fait. Fiesta rituel, ah non, c'est ça. Alors, je vais attendre que Chobiti ait fini de péter un câble. C'est psychotique, ça peut être long. Quarante-sept%, bon, ça va. Ok, ça ira. Ça, Osef. Ah, j'ai plus assez d'acier. Bon, ceci dit, ça, j'ai plus besoin de l'approvisionner. J'ai plus beaucoup d'acier. Oui, il me reste que 23. Très clairement, je n'en ai plus beaucoup. Hop. Il va être temps d'aller mener. Hurlement distant. Ah. Quelque chose rôde. Quelque chose rôde. Il est où mon... Il est là. Caneton, il va falloir que... Ça, c'est normalement, c'est un occulteur. Si ce n'est pas un revenant. Le revenant, c'est sacrément chiant. Occulteur découvert. Alors, qui va s'attaquer à Monsieur Richuk? Ça tombe très mal parce qu'il est très loin de tous les autres. Le cygne, hop, tu vas pouvoir te rapprocher. Il va falloir que tu lui colles un fardeau. Lewin, tac.
Même chose. Backfield, tac, même chose. Ah, j'en ai deux. Merde. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Les fardeaux, c'est énorme. Sérieusement, c'est énorme. Oh merde, il y en a d'autres. Oh là là là, faut que je rentre. Faut que je rentre tout le monde. C'est l'event où... Enfin, c'est un event où on a plein d'occulteurs qui pop. Il va falloir que je continue de faire des fardeaux. Non, canne-t-on toi aussi, tu rentres. Assigning, planning, tout le monde reste à la maison. Ça va. Hop. Des se déplace à vitesse normale. Merde, 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 merde. Oh là là là, quel drame. Bon. Je crains que ce ne soit la fin de mon emplumé. Barre-toi, 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 barre-toi. Non, t'essayes pas de tirer. Tu te barres. Ouvre-lui la porte. Eh ben. Il y en a un qui passe. Ce sera le seul. Voilà, ça c'est fait. Je sais absolument pas. En plus, il passe. Il ne veut pas du tout passer par le bon coin. Il va falloir que je me fasse une opération de sauvetage. Ça va pas être évident. Tiens, toi, tu vas me fermer ça là. Hop, allez, on va emmener tout le monde, enfin, tous ceux qui peuvent. Tac, tac. Ça rapporte combien quand c'est... Ça rapporte combien? Connaissance 1,5 basique. Ça c'est plus, hein. C'est, je crois que c'est 2 basiques. Ouais. 1,3. Ah. Le zombie c'est moins bien. Donc ça, je vais l'exécuter. Frédéric, s'il te plaît. Tu récoltes quoi? Ah, d'accord. Tu vas m'exécuter ça ensuite. Allez. Opération Rescue. Frédéric a exécuté un vagabond, très bien. Donc, tu vas maintenant me capturer celui-ci. Ok, donc là, hop, ici maintenant, s'il vous plaît. Hop. Ok, HS aussi. Il faut de toute urgence
Elle est sauvée. Hop, secourir. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui se baladent. Dest, tu vas rentrer à la maison. Manifestement, c'est bon. Tac, tac. Alors, en vrai, quoi, ça lui plaît pas. Tous les côtés doivent être accessibles. Ils sont pas accessibles là. C'est pas évident de. Ah, là je peux placer pour l'instant. Je vais démolir celui-là et je vais faire. D'autres. Je vais faire des enclos. Deux autres. Trois autres. Hop. Et puis, bah, je vais faire trois autres. Enfin, une pour l'instant. Hop. Barkfield, tu vas me capturer celui-ci. Lewin, tu vas me capturer celui-là. Et Ladis, tu vas me capturer ce dernier. Planning, je peux hop, mettre en non restreint tous. Ok, je pense qu'on est bon. Lui, vous me virez s'il vous plaît. Vague de chaleur, comme s'il faisait pas déjà assez chaud. Maladie grave. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, le toussant. Oh putain. Heureusement, c'est lui qui s'en occupe. Obélisque dénaturé. Ah, encore une nouvelle entité. Donc là, on a la fosse qu'on n'est pas encore allé explorer. Obélisque dénaturé. Où est-il? Là, juste là. Un mystérieux obélisque s'est écrasé à proximité. L'obélisque bourdonne d'une énergie psychique putride de plus en plus intense qui risque d'atteindre. Des seuils dangereux. Vous pouvez envoyer des colons pour empêcher l'obélisque de s'activer. Il est également possible de l'étudier afin d'essayer de déterminer à quoi il sert et s'il peut vous être utile. Vous pouvez aussi l'attaquer pour le détruire, mais risquer de provoquer des réactions surnaturelles et pour le moins dangereuses. Donc, je vais l'étudier et puis je vais mettre un niveau de suppression. Donc dès qu'il atteindra les 70% d'activité, ben, je vais avoir les personnages qui sont assignés à Geôlier qui vont aller le faire diminuer ce pourcentage d'activité. Voilà. Capacité de confinement 74. Ah oui, celui-ci c'est un peu plus parce que il n'est pas sur le récolteur de bioferrite. Nouvelle recrue. Alors, celui-ci, il fallait le renommer Jilid. Jilid, hop. Ils ont à peu près le même nom. Bon, et je suis toujours pas très bon dans mon organisation globale de pièces. Hop. Tac.
est normale, celle-là. Et celui-ci est normal aussi. Est-ce qu'il va s'en sortir, lui? Perte de sang extrême. Ça devrait le faire. Je ne vaux plus de bouffe, putain. C'est chaud, quand même. C'est vraiment chaud. Alors, ton travail, que fais-tu, toi? 1, 2. 1, 2, 1, 2. T'es pas mauvais, mais il y a meilleur que toi. Tac. Sociabilité, c'est pas trop mal. Hop. Dresseur, pas plus que ça. Chasseur, t'es quel genre de stat, toi? T'es en stat plutôt tir, donc tu vas aller chasser. Mais t'as pas d'arme à distance, je suis au courant. Tu construis pas du tout. Tu peux aller planter, mais tu ne seras peut-être pas prioritaire sur la récolte. Ouais. Tu me feras de la caillasse et tu me feras. T'es pas mal en recherche, 7. Ouais. Ça fait un chercheur de plus. Ok. Bon, il est pas ouf. En vrai, il est pas ouf. Mais bon. Le cygne n'est pas content. La chasse à la guenon, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus efficace quand même. En termes d'apport calorifique, c'est beaucoup d'énergie pour un rendu assez léger. Alors certes, je m'entraîne au tir, mais... arrêter à bosser la dernière, ceci. Par contre, je vais peut-être aller chasser l'éléphant, du coup. Pour avoir le coup, là pour le coup, en termes d'apport calorifique, ce serait plus intéressant. Parce que l'a dit. Ah, c'est trop chaud. Kentonga, chasser le casoar, s'il te plaît. Hop. Voilà. Je sais, il n'est pas content. Assignation. Tac, tac, tac. Bon, il s'est remis debout, lui. Hurle fort, tu peux, s'il te plaît, aller me faire. C'est lisse. Ah, tout le monde est opérationnel, y compris Chobiti. Très bien. Je vais pouvoir faire ma fiesta. Médiocre? Comment ça, il est médiocre? Comment t'as fait pour faire une ville médiocre avec ton niveau en construction? Ils sont les casoars. Là, il y en a un autre. Là, il y en a un. Tac.
Hop. Bien. Des racines de vie, yes. Bon, allez, on va faire la teuf. Ah non, c'est terminé. Comment c'est fiesta rituel? Natidae peut avoir une célébration spéciale. Hein? Ah, un arbre de Noël. J'ai pas fait d'arbre de Noël. C'est Noël. Le sapin à plumes. Hop. Canton va me chasser s'il te plaît. Là il y a un autre. Ah bah tiens, là il y a une panthère, allez. Hop. Hop. Transférer ici. Ok, nickel. Bon. On aurait été à 90% de vie. Allez. Continue de me chasser ces bestiaux-là. C'est plutôt efficace. Ça y est, je suis en train de faire mon arbre de Noël. Bioferrite combien? 13,80 par jour. Nice. Hop. Allez, fêtons Noël. Hop, fiesta rituelle. 97%. Tac. Chacun échange les vœux, c'est mignon. Ah zut. Dommage. Moins un d'humeur pendant 6 jours, j'avais pas vraiment besoin de ça, mais. Mais bon, on fera avec. Hein. Tiens, toi t'as perdu ton arme, je te rappelle. Jilid, t'es un tireur aussi. T'es un meilleur tireur, même que. Est-ce que j'ai pas. Non, j'ai rien de bien mieux que ça. Donc on va aller chercher. Hop, ça pour toi. Et toi, tu vas aller porter ça. Ah, mon étude de l'obélisque a progressé. J'ai vu qu'il y avait un normal et ça c'est pas normal. Tac. Est-ce que j'ai d'autres lits normaux? Non. Lui il est normal, c'est
c'est pas normal. Faudrait que j'arrête de faire les mêmes blagues. Alors, l'étude de l'obélisque a permis de déterminer qu'il s'agit d'un appareil arcotechnologique capable d'interagir avec des créatures organiques à distance. Ce dispositif appartiendrait à une structure bien plus imposante, détruite il y a fort longtemps. Son mécanisme d'une complexité et d'une puissance défiant la compréhension humaine est tout aussi mystérieux que son utilité ou son mode d'action. S'il n'est pas détruit, son niveau d'activité augmentera avec le temps, blablabla. Il est impossible de se dire ce qui va se passer. Bien. Et bien avec cette avancée, je vais arrêter ce live et cette VOD ici. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, comme d'habitude, à nous dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie si vous avez suivi ce live. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.